Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia, j'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Poképark. Oui, la dernière fois on est arrivé à la zone, ça s'appelle la zone verte. Quoi? Que je fasse l'ascension du bizarre? Non, je veux pas. Hein? C'est pour aider ton ami? D'accord. Si tu me bats à la course, on sera amis et j'irai au Sokospan pour toi. On fait la course? Oui. D'accord, on y va. Tu m'as bien envoyé voler, j'ai encore l'impression de flotter. Quand on joue comme ça, d'autres Pokémon peuvent en entendre parler et venir voir par eux-mêmes. Et maintenant, on est des amis, je vais courir où se construit. Et comme on est amis, tiens, prends ce bête. Farizou veut s'amuser. Manzai veut s'amuser. Cool. Ok. Ah, donc c'est bon. Alors, il faut que j'aille voir lui. Si ton spouse court assez vite pour atteindre son corps bonus, Arcoudi. Qui te laissera faire face avant, alors il faut que Tortue fasse son mieux. Dans une attraction, il y a un objectif à temps pour gagner, qui est différent du score bonus. Comme ce score bonus est différent pour chaque Pokémon, tout le monde a sa chance en faisant des efforts, qu'il soit rapide ou lent. Et un Pokémon qui atteint son score bonus reçoit des têtes bien en récompense. J'étais en train de me dire si tous les habitants de la zone végétale s'amusaient dans l'attraction à la protège que M. Farizou donnerait l'impression de jouer. Tu peux concourir aux attractions avec Pikachu, mais aussi avec les Pokémon qui sont devenus tes amis. En plus, tu peux gagner des PS supplémentaires en dépassant le score bonus de chaque Pokémon. Tu veux jouer aussi? Ouais. Voilà, tant mieux. Allez, Tortipus. Ouais, c'est cool. Attends. Sortis pose sa tête sur Scorbenus. Arco devrait te laisser traverser le pont. Courvure, rejoins Charmin. Quoi, Tortipo semble bien du même. Il a atteint son score bonus au secours prime. Quoi encore? Je suis pas du tout jaloux. Va pas t'imaginer qu'en fait j'adore le secours sprint. Ou que moi aussi j'aimerais atteindre mon score bonus. Allez, passe à lui. Il veut jouer au secours sprint. Ah, qu'est-ce qu'il veut jouer? Et toi, t'as l'air de courir vite, mais tu sais te battre, fais un duel avec moi. C'est ce quand que je laisserai passer. Pas le temps d'hésiter, je commence. Un duel est un type de défi où chacun utilise sa capacité pour gagner. Pour ça, il faut épuiser l'énergie de l'autre avant que le temps ne tombe à zéro. Si tu n'arrives pas, tu perds. Et si tu reçois des coups et que ton énergie tombe à zéro, aussi tu perds. Tu peux lui foncer dessus ou utiliser ton tonnerre pour faire baisser son énergie. Sa joueuse d'énergie ainsi que la tienne apparaît sur l'écran. Pour ne pas perdre, il est important d'éviter les attaques adverses. C'est bien.
Pourquoi j'ai perdu? J'ai mis ma parole en jeu, alors je te laisse passer. Si tu vois, même si tu veux pas, prends à gauche. Il y a un portail, demande à Cradopo de t'ouvrir. Allez, salut, moi je vais m'entraîner pour pouvoir te battre la prochaine fois. J'espère qu'on pourra se refaire un duel bientôt. De beaucoup de peine. Vas-y à gauche. Crado. Oh, c'est un peu. Un peu. Non, non, j'avais pas vu. Quoi, tu veux rencontrer le maître Folosor? C'est interdit d'ouvrir ce portail. Et encore. Plus pour quelqu'un de louche comme toi. Mais bon, j'ai assez de pain là. Si tu m'apportes 200 bains, je vais me tourner. Oh, tu as 200 bains? Alors, par lequel je vais. Eh, mais tu serais pas l'ami du Pokémon qu'on vient d'amener, Germignon? Tu veux aider ton ami, c'est émouvant. Si c'est comme ça, tiens, je te rends 170. Ça te surprend? Pas besoin de te renverser. Si je mange 200 bains d'un coup, je vais me rendre malade. Allez, je t'ouvre. Attendez, ça c'est comme ça. Ok, ça va être un peu mieux, je crois. Bon, allez, je t'encore dans le secret. Au fait, puisque tu m'as donné CB, je vais te donner un conseil qui pourrait te servir dans le duel. Quand tu te bats, tu peux éviter les attaques ennemies en te déplaçant sur les côtés. Alors, tu le savais? Pendant le duel, tu peux faire un saut rapide à gauche ou à droite, presque rapidement, deux fois à gauche ou droite sur le. Enfin, oui, on tranche le portail. Pikachu, merci d'être venu. Qui es-tu? Tu veux que je libère Germignon? Tu veux sauver ton ami? Écoute-moi bien. C'est vous qui avez commencé par briser la règle. Si je ne vous punis pas, les autres vous imiteront. Et la zone Vizza sera en danger. Si tu veux vraiment Germignon, vraiment que je libère Germignon, défie Cradopo et Pierre Fabek à qui j'ai ordonné de monter la garde et balai. Si tu parviens, je tenterai de t'écouter. Quoi, Maître Folosor t'a dit de battre avec moi? Dans ce cas, pas le choix. Je mettrai mon cœur dans ce duel. Et c'est classe comme phrase. On fait un duel. Alors viens, en garde. Ok. Ah, punaise. Dis que je t'ai rendu tes baies et que je t'ai expliqué des trucs. Il y a vraiment des gens qui savent pas s'en tenir. Quoi? C'est tellement ici de ta force. Peut-être que l'autre va venir et cherche de sa force à faire. Cherche un jet. Allô? Oh, 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 oh. Que je cherche bien Fabien. Ah, il m'a. T'essaies d'aller à la place Union quand je dis non, c'est non. Ah, mais pas ça, t'as dit de me défier moi. Tu te trompes, ne parle pas de moi. Mais de mon petit frère quelque part dans cette chambre. Il y a une place. Avec de grands pliorons comme des troncs. Enfin, doit être là-bas, va chercher. Les pliorons.
Il y a un rush? Ah, ça va, c'est bien. T'es plus de mieux, hein. Pardon. Oh, punaise. Comment ma faisant t'as-tu de me défier? Ah, il y a vraiment un truc comme ça ensemble. Alors tu veux faire un parcours? Oui. Bien, pas par toi. Le défi du parcours consiste à atteindre le Pokémon adverse dans le temps imparti. Rejoins l'en sautant. Si tu tombes, tu peux retenter ta chance tant qu'il reste encore du temps. Nice. Ça va? J'ai honte. J'ai échoué à faire ce que Maître Fraser attendait de moi. Bon, et dans ce cas, je n'ai plus qu'à devenir ton ami. Ok. Quoi? Tu as battu un loup et puis avec? Tant pis, ma parole est en jeu. J'ai une barre jamais, mais tu as bien compris, il ne fait plus jamais d'attaque. Un instant, ça ne concerne tout le monde et les attractions. Et en plus, cette induction de quitter la zone est de trop. Tout le monde a le droit de s'abuser une fois même. Quelle impudence. Il y a une raison pour laquelle j'interdis de jouer aux autres attractions ou d'aller dans les autres zones, c'est parce que c'est dangereux. Vous n'avez qu'à respecter les règles de la légende musicale et tout ira bien pour vous. J'abandonne. Pikachu voudrait pouvoir faire le genre que chacun peut s'amuser à finir autant d'attractions qu'il lui plaît. Oh, tu veux te majorer à mon attraction? C'est amusant. Si tu restais le saut en liane, je changerai les lois de la zone. Tous ceux qui voudront s'amuser ou s'attendre le pourront et je permettrai que l'on aille à la place une. Veux-tu tenter ta chance? Ouais, on va tenter notre chance. Commençons donc le saut en liane. Juste 50 mètres. Secoue la manette, lorsqu'elle va le... comme sur le dessin. Si tu secoues la... Ouais, sur le mouvement de la tu mets... Ouais. Quand tu as un assez bon allant, appuie sur B au bon moment. Ok. Là, j'ai pas... Ça. J'ai pas ces Pokémon. J'ai pas... Ah oui! Non, adhésif. Non, j'ai pas. J'ai pas eu l'adhésif. On va rejouer. Adhésif. Ah,
pourquoi j'y arrive jamais. Bon, écoutez, on va se quitter là pour là. Je vais réessayer. Et puis, on se dit à très vite pour le prochain épisode d'Épisode 20.